Salut à toutes et tous, bienvenue ici à Grenade avec des conditions en météo parfaites pour cette rencontre qui nous attend. Et c'est moi, Hervé Matou, qui assurait les commentaires. Vous devez être habitué à cette voix féline. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, Grenade face au Real Madrid. On va encore se régaler avec cette rencontre. Et de manière générale, on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis quelques jours. Kenny. Ouais, peut-être la passe lobée. En retrait, c'est dangereux. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le ballon qui a filé en sortie de but. Assurer de près les performances de Toni Kroos dans ce match, toujours l'un des joueurs importants dans une équipe. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Oh, la frappe incroyable, surpuissante. Quelle frappe, quelle frappe. On revoit ça. Elle est soudaine, elle a surpris tout le monde. Et en premier lieu, le gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Matchis, on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah, le ballon est perdu. Toni Kroos. Luka Modric. Karim Benzema. Karim Benzema qui avance balle au pied. Frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Le ballon toujours pour Modric. On concède le corner après ce tacle. Ah, il est bien parti ce corner. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ah, il perd le ballon suite à ce mauvais contrôle. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. L'arbitre donne la touche au Merengue. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Benzema, ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Le Real Madrid qui s'approche du but. Toni Kroos. Oh, quelle frappe, quelle puissance sur la transversale. La barre qui en tremble encore. Il s'infiltre, attention. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon.
Carlos Bacca. Matisse. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Le plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Les supporters qui se réveillent hein, tout à coup. Après tout, c'est vrai que oh, la tête qui passe juste au-dessus. Ça ne s'est joué à rien du tout. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Vinicius Junior. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Allez, on redouble les passes. Luka Modric. Ah, le bon centre dans la surface. Ah, c'est bien défendu. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant, je trouve. Ouais, il fait un bon match, un match correct. Il a évidemment... Début de la seconde période, à l'instant même. Matisse. Essaye de trouver la faille. Ça part vers le second poteau. Et ce centre sans problème pour le gardien. Rodrigo. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Chercher une ouverture, bien sûr. Avec Benzema. Benzema. Oh, la frappe incroyable! Oh, quelle frappe! Magnifique ralenti, hein, cette frappe. Même au ralenti, elle va vite. C'est une mine incroyable. L'interception de Carvajal. C'est pas très étonnant hein, de constater que c'est l'équipe visiteuse qui a la possession. Une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste, d'avoir su convertir la domination en occasion réelle. C'est assez logiquement que l'équipe mène au score. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ah, bien vu ça. Attention au danger. La volée est magnifique, mais qui n'est pas cadrée, hélas. C'était beau. Il joue son atout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Casemiro. Modric. Casemiro. David Alaba. La bonne intervention pour enrayer l'attaque. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Karim Benzema. Go. Ouais, on fait tourner en attendant un petit décalage possible, une faille dans la défense. Attention à la contre-attaque.
Matisse. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Tiens, corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. Les occasions sont rares dans le jeu. Alors le public se met à y croire sur ce type d'action et ce corner en fait partie. C'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. Incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, ça a failli être un corner, mais ce sera finalement une touche. Je signalais bien sûr après cette touche. Oh, c'est idiot de perdre un ballon comme ça. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Allez, par-dessus. Carlos Bacca. Le tir. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. Splendide, hein, cette frappe. On la revoit avec plaisir. Impeccable, trajectoire tendue, rien à dire. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real, c'est précis, c'est fluide. Ballon capté par le gardien. L'arbitre qui siffle à l'instant même. La fin de ce match remporté par le Real Madrid. Ouais, elle est courte cette victoire, mais c'est une victoire. Et ça, c'est...